Of all the challenges facing humanity in the 21st century, access to clean, safe water is among the most decisive. The medium of life, water not only gave way to life on Earth, but it also shaped our societies and beliefs. In each droplet, each molecule, the very plan for terrestrial organization is inscribed, a truly divine instrument. In the heart of Morocco, the medieval city of Fez, whose history is marked by its abundant and well-managed waters, faces an uncertain future. In a country endowed with a remarkable water security for its region, the old city of Fez risks losing its heritage waters to modernity and its built heritage to the rising damp. أو سيدي حرازم كانت عندنا العين أو تاني كنقولوا العين عامرة هكا بالماء كنعمروا منها كل حاجه وشكلها هذه شحال كانت الدنيا احسن من دابا كانت الدنيا زوينه دابا شويه الدنيا تطورت ما بقاتش كما هي شحال حتى الماء اختلف كانوا السقاقي في الزنقه غير هما ملي ما مشيتي تعمري الماء دابا كلشي قطعوا ما بقاش الماء كاع في الزنقه هادي شحال كانت الزنقة شتي غير الزنقة هادا تاولي هي تحت كتلقاي السبالة مشي ليه تلقاي السبالة تمشي ليه تلقاي السبالة دابا والو دابا كلشي قطعوه La vie a changé, que le robinet n'est pas la source, et que les gens ils ont entre-temps perdu un peu le rapport à l'eau traditionnelle. واد حار كان واخا شحال هذه يعني قبل من 30 عام على ما تيعاودوا لنا حنايا قال لك هذا الماء هذا الواد كان فيه الحوت كاع كانوا كيصيدوا منه الحوت حيت كان كيصب فيه الماء ديال واد فاس ديال الواد ديال واد فاس كان كيصب هنايا وكانوا كيصبوا فيه عاوتاني بزاف المهم عنده بزاف ديال الروافد مي سي اون فيل كي pour le moment encore, très meurtri par son histoire récente. Et tu te rends compte de ça si tu mets dans une pièce trois faciès et que tu te mets à parler de Fès, au bout de 10 minutes, ils se battent. Il y a une passion là, c'est-à-dire, c'est à la fois leur patrimoine, leur histoire, leur richesse, ce qui les fonde, ce qui les réunit et ce qu'ils ont perdu. Il y a certaines années, quand je suis arrivé, moi, je vous dis, il y avait 200-250 000 habitants dans tout Fès, il n'y avait pas la même pollution, mais on le savait qu'elle allait arriver.
Mouledris, avant de construire sa ville, qui est la Médina de Fès, il a envoyé ses experts depuis le Moyen-Orient pour choisir le bon lieu. L'eau est quelque chose qui a déterminé la fondation de la ville de Fès, parce qu'elle était fondée sur un système riche en eau, où le passage de l'eau est obligé, avec la convergence de trois rivières, la présence de plusieurs sources, et puis la présence d'une nappe phréatique assez proche, où donc on peut faire des puits. Il appartient au système hydraulique qui s'appelle le bassin de Saïs. Et ce bassin de Saïs s'alimente en eau depuis les montagnes qui se trouvent vers le sud, les montagnes du Moyen Atlas. Il y avait cette rivière qui passait ici, qui amenait de l'eau. On a distribué à partir de la rivière, on a distribué de l'eau sur les deux rives. Et progressivement, cette eau a alimenté toutes les maisons, a amené l'eau partout et a permis la création de certains artisanats comme les tanneries, les médicis, etc. Enfin, cette eau était devenue la source de vie de Fès. Voilà. Medieval historians like Leo Africanus describe Fès in its heyday as the city of a thousand fountains, where water wheels turn perpetually, and where the arts and sciences will develop alongside Islamic thought in the Cairoian University and in Quranic schools, all of which had fountains fed by natural springs and small streams running below. In the Middle Ages in Fès, mastery of water resources will give rise to a comfortable and cultivated urban style of living, guaranteed by a complex hydraulic system elaborated by successive ruling dynasties. Au Moyen Âge, dès le XIIe siècle, il y avait trois circuits d'eau séparés. Chaque maison était alimentée par trois circuits d'eau. Un circuit d'eau de source pour boire, un circuit d'eau d'oued, donc de la rivière, pour les besoins ménagers et pour faire fonctionner les fontaines, et un circuit d'évacuation des eaux usées. Il y a en amont de la Médina un grand répartiteur qui va distribuer dans les quartiers. À l'entrée de chaque quartier, un répartiteur. À l'entrée de la petite impasse qui va distribuer 2, 3, 4, 5, 6 maisons, il y a un petit répartiteur qui va distribuer l'eau de façon équitable. Lorsque le débit d'eau est moins important, il va passer automatiquement par le niveau 0, le plus bas, et par suite, il va alimenter les destinations les plus prioritaires, ce sont les domaines publics. Et lorsque le débit augmente, il va automatiquement passer vers le deuxième niveau et par suite, il va alimenter les destinations les moins importantes, c'est-à-dire vers le privé. Ce répartiteur est construit par les Almoravides, fin 11e, début 12e siècle. Et ce sont des gens qui sont venus du Sahara, donc ils avaient le souci de l'eau, hein, de l'existence de l'eau, comment le gérer, comment le préserver. Ibn Khaldun will write that the political destiny of peoples between the Sahara and the Mediterranean will be decided in the opposition between the nomads of the desert and the sedentary peoples of the valleys and oases. The archaeological site at the ancient city of Armat, south of Marrakesh, has uncovered traces of the Saharan know-how the Almoravids brought with them on their conquests north of the Atlas Mountains. كي غراني نسينو السنايا عم داك مسيو ميسي يسليت كدار الحمام هيا انا ميكا هيا دا فلاك المراحة انت انا Quand les Almoravides sont arrivés au pouvoir, au début du Xe siècle, ils se sont installés d'abord ici dans cette ville d'Armat qui existait. Les chroniques en parlent comme une ville qui existait déjà. Fès a été conquise par les Almoravides. Après avoir conquis Armat, ils se sont dirigés vers le nord pour conquérir la ville de Fès. Elle était très importante parce que la ville de Fès était liée par le commerce de la ville de Sijelmassa. C'est ce genre de site archéologique
qui peut nous permettre d'expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui dans la ville de Marrakech, Fès, Tétouan, Chaouen. L'eau a été pensée pour le confort de l'être humain. Et donc, on a pensé utiliser l'eau à domicile par des systèmes de canalisation. Ici, c'est un petit palais. Comme on voit ici, c'est des bassins d'eau avec des systèmes de canalisation pour l'entrée et l'évacuation. Ce qui est intéressant aussi, c'est des systèmes où on a les jets d'eau. Ce hammam, il est intéressant parce que bon, il a 1000 ans d'âge minimum. Mais c'est très intéressant au niveau de son architecture, de sa disposition, la manière avec laquelle il est construite, la canalisation d'eau, soit l'entrée de l'eau propre et la sortie des eaux usées, et puis surtout par sa taille, et puis surtout par sa présence ici en milieu de montagne. Alors, on a vu de ce côté-là ce bassin d'eau chaude vu la suie et la couleur noire laissée par le feu. Et nous passons maintenant de l'autre côté de cette première chambre où on a la trace d'une sorte de bassin de stockage d'eau froide, je pense. Et on voit les deux trous qui permettaient apparemment à l'eau propre de venir par la canalisation qui est à l'extérieur. À mon avis, si on veut comprendre le système complexe d'irrigation qui se trouve au nord de l'Atlas, à Fès, à Marrakech, à Gourdou, à Séville, on est obligé de passer par les régions du Sahara, du désert et des vallées sahariennes, des oasis. L'eau est rare, il ne pleut presque jamais, c'est les neiges de la montagne, et cette maîtrise de l'eau vient par sa rareté. Alors, ce qui est intéressant ici dans nos cas ici, c'est qu'en général, quand l'eau n'est pas à côté, on la fait amener par des khtarats, ces systèmes de canalisation souterraines, camouflés. Parce que nous sommes dans un climat méditerranéen assez chaud, dans la rive sud de la Méditerranée, en tout cas entre les montagnes de l'Atlas jusqu'à la Méditerranée. Et l'évaporation est un problème en soi. Donc, ces canalisations souterraines avec des systèmes de gravitation hein, pour que l'eau puisse couler facilement. Et puis ces systèmes de distribution, on le trouve aujourd'hui encore dans la manière avec laquelle les paysans organisent l'irrigation des champs. On ne peut jamais copier une ville de son environnement local, de sa géographie locale, de la richesse d'une ville, c'est sa région, c'est pas la ville elle-même qui crée la richesse. Surtout à l'époque, les industries, c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle, l'industrie reposait sur les produits agricoles. Toute l'industrie des corporations, des métiers, le cuir, le bois, la laine, le fer, l'argent, tous ces métiers que les gens de la ville exerçaient, et bien la matière première repose sur ce qui vient de la campagne environnante, tout simplement. According to the chronicles, tanning leather was one of the principal industries in Medina as early as 935. The tannery El Shwada, nestled at the bottom of the valley defining Fez's geography, employed spring water from uphill and discarded wastewaters directly into the river at its exit from the city. The abundance of water, coupled with the proximity of agricultural goods used in dyes, will allow the tanning industry to endure for centuries.
the dyer's street, a short walk from the great Al-Shwada tannery, red cord is dyed using traditional dye and spring water still flowing as it did in the Middle Ages, a vestige of the past. En céramique, on appelle les éliges, sont liés à la fois à cette recherche de fraîcheur et leur qualité tactile. Quand on touche les éliges, c'est frais, c'est rafraîchissant. Et à la fois, au départ, en fait, à l'origine, c'était une protection contre l'eau. On aime nettoyer en grande eau, on aime bien voir l'eau couler. Donc, pour ne pas dégrader les maçonneries, les murs et le sol, on a fait des revêtements en zélige. La sacralisation de l'eau, l'eau quelque chose de sacré. Et ça, il y a toujours au moins une fontaine soit centrale, comme ici, soit une fontaine murale, et ici, en l'occurrence, il y a les deux. Et donc, pour entendre et voir l'eau couler. There, you know, in every neighborhood, there would be a number of public fountains that were fed by underground springs. Quand j'entends Fès des années de ma jeunesse, c'est Fès avec le ruissellement de l'eau. Il y avait tout le temps un ruissellement de l'eau quelque part. Donc le bruit d'eau devait être part de la géographie sensitive du Fassi. Donc il aimait, il cherchait le bruit de l'eau et il l'a multiplié par tous les moyens. Il y a aussi la mention d'une certaine fontaine particulière qui a servi à Jalaluddin al-Rumi pour spéculer sur l'astrologie, l'astronomie et même l'atome. Really, this fountain is a part of this house, and would have been built by the people who built this house as a contribution to the neighborhood. There was running water in houses probably in the 12th and 13th century, when there was no running water inside houses in Europe. The pipes in the Medina houses are like Roman pipes. They're terracotta cylinders, handmade terracotta cylinders that are sort of put together. I mean, in a house and in the Medina, you've got all of these underground rivers and channels. It was this system that would be running all the time. And so before there was any city water, you had this natural water. La caractéristique du jardin arabe, c'est la perspective et l'eau. Donc c'est l'eau qui détermine la perspective. Sans eau, il ne peut pas y avoir de jardin. Ou on peut imaginer des jardins zen et de cactés, mais enfin, c'est pas un jardin andalou du tout, ça. Non, un jardin luxuriant, vert, une petite oasis comme ça au milieu de la ville, il y a un besoin impérieux d'eau, indispensable. Cette propriété avait, comme beaucoup d'autres, un petit toit qui la traversait, qui avait été très élégamment carrelé de zélige pour en faire un bassin d'eau courante, mais l'eau était arrivée d'ailleurs et repartait plus loin. Et c'était l'endroit le plus frais de la maison en été, donc le puissant personnage, le vizir, le grand-père, Hajj Mehmed Mokri avait installé sa chambre en été. Il habitait un palais, mais en été il venait dormir ici et il avait sa chambre juste au-dessus de l'oued qui court parce que c'était l'endroit le plus frais.
M. Tayeb El Moukri, qui a construit ce palais. Et à l'époque, il occupait la fonction de Pacha de Casablanca. D'ailleurs, il est resté 27 ans, Pacha de Casablanca, jusqu'à sa mort en 1949. C'était la première maison, d'ailleurs, qui a été éclairée par l'électricité. Mon grand-père, à l'époque, il avait une chute qui s'appelait la chute El Moukri. Il avait fait emmener des turbines d'Italie et il l'a installé dans les anciens garages. Et c'était avec ça qu'il alimentait son palais. The turbine at Palais Moukri was later used by the National Electricity Office to power parts of Fez until the waterfall ran dry. Even before electricity, water was a source of energy for the city. The rivers and streams crisscrossing the Medina became the ground plan of the Medina. Houses, public buildings, and streets were positioned according to the movement of water that fed their fountains, but also to harness the power of flowing water for industrial applications. Elle a caractérisé le développement de la ville, en ce sens que la ville a été construite sur l'eau, et la ville a été construite sur une trame urbaine, sur une trame agricole, où les anciens canaux d'irrigation, les seguias, les petits ouèdes, ont été remplacés par des rues. During the Almohad period, the number of water wheels rose to about 400. Later, these water wheels were used by the great builders and planners of the Mironid period in large-scale public works projects, such as the water clock at the Buananiya Madrasa. Its ingenious mechanics remain a mystery, lost with the passing of the last timekeeper. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayya. Inna Allah yaqul wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayya. L'eau, il occupe une place très importante d'abord dans les paroles divines et aussi dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi non seulement dans les paroles mais aussi dans les gestuels d'un musulman. Donc qu'il s'agisse des ablutions ou du lavage, c'est avancer vers la pureté grâce à l'eau. C'est-à-dire les grandes ablutions. C'est quand on veut faire la shahada pour devenir musulman. Pour être musulman, on a besoin de l'eau. La Zawiya est connue comme un lieu de pèlerinage de beaucoup de gens du monde entier qui viennent pour se ressourcer spirituellement. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui viennent spécialement que pour se ressourcer spirituellement, évidemment, mais que pour prendre aussi de l'eau du puits de la Zawiya. Donc l'eau est quelque chose aussi considéré en lui-même comme quelque chose qui porte de la sainteté. La culture du hammam est très très ancrée chez les gens, et le hammam n'est pas simplement une purification du corps, d'hygiène, mais c'est aussi une purification de l'esprit, donc un peu spirituel. Et le fait de se dénuder, dans toute liberté, de se laver, de passer l'eau sur son corps, qui est quelque chose de très, finalement, de très sensuel, c'est un facteur en même temps de cohésion sociale. Mais l'eau, c'est aussi un élément de détente. Vous avez des sources thermales qui entourent la ville. Moulay Yaqoub et Sidi Hazem. Moulay Yaqoub possède deux saints, deux marabouts. Donc le marabout Moulay Yaqoub qui a donné le nom au village. Et puis la montagne qui est juste en face, qui est la montagne de l'Al Shafia. Mmh.
Les termes de Moulay-Yacoub sont connus depuis des siècles, mais c'était utilisé de façon très traditionnelle, c'est-à-dire que l'eau était utilisée comme une eau de hammam. Les gens venaient pour se laver, pour se décrasser et tout, et ils savaient que ça leur faisait beaucoup de bien. Je crois que l'initiative de la transformation, la rénovation de Moulay-Yacoub venait de Sa Majesté Hassan II. Les vieux thermes étaient usés, étaient presque en ruine, et les problèmes d'espace se posaient sérieusement, il n'y avait pas assez de place pour les gens. Il fallait faire autre chose, les techniques thermales aussi avaient changé. S'il te plaît, si vous avez la douche à fusion, nous avons les gens qui viennent pour se soigner, soit pour un problème ORL, respiratoire, soit pour des problèmes de rhumatisme. Et puis, nous avons des gens qui viennent simplement pour le tourisme de santé. C'était un sultan qui avait des plaies, qui ne voulait pas guérir, qui était très malade. Les médecins ne sont pas arrivés à le guérir. Et puis, on lui a dit, ben, il faut aller à Moulay-Yacoub. Donc, il était venu à Moulay-Yacoub. Au bout de quelques jours, effectivement, les plaies ont cicatrisé et il a guéri. Il a décidé d'abandonner son règne. Il a échangé donc ses habits de roi avec des habits d'un pauvre et il a commencé à vendre de l'eau dans les souks en mettant une musette, une sorte de shkara, mais qui n'avait pas de fond. Et donc il vendait l'eau. Quand les gens achetaient l'eau, donc les vendeurs d'eau qu'on retrouve encore dans quelques médinas, ils mettaient les pièces dans la musette et les pièces tombaient. Et les mendiants venaient et prenaient les pièces, comme ça, ça leur faisait de l'aumône. Donc, il avait décidé de ne plus donc, devenir riche, d'abandonner toutes les richesses. Et quand je suis venu à Fès, j'étais en présence d'un problème grave, puisque toutes les eaux usées de la ville nouvelle qui était créée en 1915 à peu près, aussi bien que de la Médina, enfin toute cette eau s'écoulait à travers le cœur de la ville ancienne, dans ce qu'on appelle Wet Fez, dans la traversée de la Médina, ainsi que dans les fontaines, sur les fontaines à ta gauche, coulait une eau usée. Et c'est ce problème-là qu'on me demandait de résoudre, et pour cela, le programme c'était de couvrir la rivière qui traverse toujours la Médina, et d'évacuer à travers donc un canal couvert toutes ces eaux usées, en collectant les eaux des petites rivières qui traversaient les maisons, etc. de la Médina, en séparant les eaux sales des eaux propres et en dirigeant toutes les eaux des eaux usées sur ce canal central. Par-dessus, on a créé une voie carrossable, ça permettait une pénétration automobile au cœur de la ville, sans grande démolition, puisqu'on utilisait le lit de l'Oued. Et puis, les choses étaient en l'état. Et on se disait, c'est le moment ou jamais de prendre les devants, de préparer le terrain pour que lorsqu'il y aura 500 000 habitants en Médina, ou 300, 400 000 ou 500 000, quand il y aura plus d'un million dans Fès, il n'y ait pas à traverser la ville avec l'eau usée de 1 million d'habitants. C'était le moment d'y penser et de travailler dans ce sens.
Moi, je crois que vers les années 70, les fontaines ont été silenciées et même les sources commençaient à se tarir. Cette eau a été divertie, donc elle ne traversait plus la Médina. Under the reign of His Majesty Hassan II, Morocco will see large-scale efforts to modernize the country. The construction of a system of immense reservoirs and modern potable water systems will secure the country's water resources. However, most public works projects will privilege the growing urban centers, leaving the medieval cities in the shadows. Pour bâtir un nouveau Maroc, effectivement, il faut arrêter le robinet de l'ancien. Après la disparition de l'eau traditionnelle qui est alimentée par Oued Fès, la RADEF, justement, elle avait installé des fontaines du quartier. Et il y avait certaines familles qui n'avaient même pas le compteur de l'eau, mais qui pouvaient s'alimenter par ça. Donc, on peut dire que c'était un passage. Après, la population augmente et l'eau est coupée. من الجامع كانت كتستعمل الماء العين هنا في المدينة أصل أو الأندلس جامع الأندلس قطعوا لها المدينة هذا هو المدينة اللي دايز هنايا هو كاين العين ديالها وكاين كل شيء ديالها قطعوها جامع الأندلس تمشي للجامع مازال التاريخ ديالو مازال هي هذيك وهرسوا القادوس دابا المدينة كيمشي غير في الوالحار ولات كتستهلك الماء الروبين هذه خمس سنين ولا ست سنين باش قطعوا عليها الروبيني راني ندخلو انا اللي تنخلصو الدوله ما تخلصني ما والو الضو تا هو تنخلصو انا والميه ديالها اللي خصوصيه ديالها ما خصهاش تقطع 227 247 هجريه ما عمرو تقطع حتى لدابا علاش انا قلت لك المكاين والقواس ديالهم هرسين خصهم يتبدلوا ما بغاوش يبدلوهم لو ديرني معلم قوادسي ستادير لو كومبانيون قوادسي كي سبيسياليزي دون لي قادوس دون لي كانيزاسيون اي ديسيدي Il est mort avec son secret. C'est quelque chose d'extraordinaire de l'eau, de savoir qu'il y a un réseau souterrain extrêmement complexe, extrêmement efficace aussi, et que des gens connaissaient, qui se baladaient comme ça, qui traversaient toute la ville pour l'entretenir et pour assurer l'alimentation. Les métiers existent pour des nécessités de consommation, de travail, de service, et quand le service n'existe plus, le métier disparaît malheureusement. قرويين كانت عامره بالعيون بلا فلوس بلا والو كان دابا حنا غير تحت منا شي جوج سباب ولا ثلاثه دابا ما قد حتى حاجه كانت الا ما عندكش الماء تخرجي تجيبي دابا لا دابا الله يسر ما كانش الفلوس ما كاينش Moi, je crois qu'il y a une raison économique de vendre l'eau. Ce qui est la conséquence, c'est que le rapport de l'eau du citoyen à l'eau a complètement changé. Donc, il doit le payer. Ce qui a fait que, à mon avis, vers les années 70, et c'était la grande émigration des Fassis vers les villes plus prospères comme Casablanca et Marrakech, et qui ont délaissé cette médina. La plupart de ces familles, je me rappelle, l'eau était vitale pour eux. On ne payait pas l'eau. C'était comme l'air. On ne paye pas l'air. يعني انه الا خلص سعر الشطر الاول راه غيجيك بثمن مناسب سهل كي دخلتي للشطر الثاني يعني راه غادي تكون الامور شي شويه زايده دخلتي للشطر الثالث وراه غادي خصك تخلص بزاف On travaillait sur les factures de l'eau avec les élèves de la Médina. Et à travers ce travail, ils ont compris pourquoi ils payaient plus cher leur eau, parce que c'était des familles nombreuses qui habitaient le même local. Et c'est pour cela qu'ils dépassaient les tranches économiques, ils passaient à la deuxième tranche de la facturation de l'eau et la troisième tranche. Et en Médina, ce sont surtout des gens venus des campagnes qui sont restés sur un ancien mode de vie, ou du moins sur un mode de vie citadin qui n'est pas celui d'aujourd'hui.
Ça pose des gros problèmes pour la transformation, la conservation, l'évolution de la ville. Il y a tout un problème de rénovation du mode de vie dans des bâtiments qui sont souvent trop vieux, trop anciens, difficiles à restaurer et surtout difficiles à adapter. A shift towards mass tourism in Medina has caused serious change in the way craft goods for which Fez has become famous are produced. Growing demand for these goods has created the need for machines and chemical products that threaten the medieval city's built environment and add to the river's pollution. دابا داكشي تقلص يعني ولا فيه في التاليف المجمل ديالو ولا غير الماء الحار هو اللي كاين تلوث مع الخدمه ديال الصناع هنايا ديال الصناعه التقليديه ديال الصفارين عاوتاني داك الاسيد عاوتاني مع التلوث ديال الارض الضباغ عاوتاني يعني قتل ولا كله عامر داك بلي شيمي برودوي شوف الصباغه تنجبدوا الماء وتنرميه وتمشي للواد ديريكت Le problème, il y a quelques années, ils ont même jeté les eaux usées de la ville nouvelle, même de Bensouda, ils l'ont dirigé vers la Médina. On continue à traverser le cœur de la Médina avec toutes les eaux sales, les eaux usées de la ville de Fès, qui à l'époque, quand je suis arrivé, moi, comptait 200 ou 300 000 habitants, et qui maintenant fait plus d'un million. Et un autre aspect de l'eau en Médina qui a été soulevé par mes élèves, c'était la saveur et le goût de cette eau. Et tous les gens de Médina ils protestent parce qu'ils croient que cette eau n'est pas bonne à la consommation. Le technicien leur a expliqué que le problème du goût ne vient pas de parce que c'est une eau de surface qui est traitée dans cette station, mais que cette eau passait par toute une canalisation ancienne dont l'avait Medina. Cette canalisation, il est un petit peu délabrée. C'est pour cela qu'il y a des infiltrations. Et peut-être que c'est ça qui changeait ce goût de cette eau. La plupart des habitants de la Medina, ils allaient chercher. Ils préfèrent boire de l'eau, soit de source ou bien de l'eau qu'ils ramènent des environs de Fès, des sources de Fès. L'autre phénomène, c'est celui du fait que les canalisations anciennes et les circuits de WED soient dégradés. L'eau part un peu n'importe comment et ça crée ce qu'on appelle un affouillement. C'est-à-dire que ça enlève la terre sous les maisons. Et c'est pour ça que de temps en temps, on voit une maison qui s'effondre. C'est aussi le fait que les bâtisses sont très vieux. Nous sommes quand même une cité de plus de 12 siècles. Les héritiers, ils n'ont pas pu quand même entretenir jusqu'à présent. Bon, on essaye de sauver de notre mieux, mais ce n'est pas évident. Comme c'est une propriété qui fait presque 3 hectares, alors, bon, à l'époque, ils pouvaient se faire ça puisqu'ils avaient l'argent et le pouvoir et tout ça. Bon, maintenant, nous, ce n'est pas le cas. Et la meilleure façon de le restaurer, ce n'est pas seulement la participation de l'État, mais c'est aussi la participation des particuliers. Quand un particulier achète un riad, ou une maison, elle les restaure, eh bien, en les restaurant, il solidifie les maisons alentour. Bon, la maison d'hôte est là pour répondre
momentanément à la question. Après, on verra. Il va falloir trouver d'autres raisons. La fonctionnalité de ces maisons. Pour le moment, elles fonctionnent comme maisons d'hôtes. Ben, demain, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des bibliothèques, qu'il y aura des maisons de culture, qu'il y aura de la musique. Il ne faudrait surtout pas imaginer que la toute petite poignée d'étrangers romantiques qui viennent s'installer ici comme moi vont changer quelque chose à la ville. C'est une goutte d'eau pour le coup. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Est-ce qu'on peut restituer un jour l'eau de source dans tous les lieux publics? C'est difficile de revenir à cet ancien réseau. Et c'est difficile de réutiliser même les sources qu'on trouve actuellement dans le long de la rivière qui longe la Médina, parce que c'est une eau qui est certainement insalubre, malgré le fait que c'est une autre source. On peut garder des éléments, garder des parties qui sont des témoignages du passé, qui sont des témoins qu'on peut montrer, qui sont des monuments historiques aussi, comme le reste. Nous sommes en train de restaurer le petit tunnel souterrain qui amène l'eau de source directement. Il y a une source spécifique qui donnait l'eau au mausolée. Et cette galerie est effondrée, donc on a reconsolidé, on a dégagé, et on a maintenant l'eau de source qui arrive naturellement au mausolée. Malheureusement, entre le besoin qui augmente avec les populations qui augmentent et la raréfaction du produit, de l'eau, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à gérer. On évolue dans une société où l'eau devient une denrée très rare. Et à partir du moment où elle devient rare, donc si vous voulez, elle a une valeur différente. Ce ne sont plus les eaux disponibles localement qui permettent à la ville de Fès ou à la ville de Marrakech de subvenir aux besoins des habitants. Et c'est à Fès, toujours la nappe est alimentée. Mais avec l'extension de la ville, avec le temps, cette nappe ne sera plus apte à être utilisée directement. Elle doit être passée par un système de retraitement pour qu'il soit utilisable, potable pour les habitants de Fès. S'il n'y a pas d'équité dans le partage et dans la distribution, c'est une source permanente de conflit. Ou bien on va alimenter la ville, ou bien on va donner de l'eau pour irriguer le champ. Il y aura un conflit entre les cultivateurs de la région de Fès et les habitants de Fès. Parce que avec les changements climatiques, le peu de pluviométrie, le peu d'alimentation de ces grands lacs de barrages va poser problème à long terme. On a des hivers, il neige, il pleut, les nappes sont alimentées, mais je crois que depuis la révolution industrielle, l'humanité consomme, je ne sais pas à quel degré, mais des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de fois ce que nos ancêtres, même au 19e ou au 18e siècle, consommaient comment. Les défis actuels sont ceux qui consistent à perpétuer ce système. Alors, bien sûr, les maisons ne sont plus alimentées par des eaux de source ni par l'eau de Oued, en raison de l'installation d'un réseau municipal d'eau potable, ce qui est tout à fait logique, pour des raisons de salubrité. Et le problème, c'était de gérer ces trois réseaux qui se sont dégradés, parce que c'était fait en délocalisation traditionnelle en terre, qui se sont dégradés, les eaux se sont mélangées, il y a eu de la pollution. Je me suis érigé contre le fait de faire passer les eaux usées, les eaux sales, de 1 million d'habitants et bientôt plus, à 50 mètres du tombeau du fondateur de la ville de Fès, le Moulay Idriss, au cœur de la cité. La station d'épuration est en train d'être terminée en aval de la Médina, à l'extérieur de la Médina. Donc une fois que l'eau a traversé la Médina, il aurait fallu assainir les eaux avant, en amont, et pour pouvoir les faire traverser de l'eau propre dans la Médina. Malheureusement, il y a un problème d'espace. La ville nouvelle étant en amont de la Médina, étant pratiquement collée, il n'y a pas d'espace pour construire cette station d'épuration. Pour moi, il fallait absolument éviter cela. Et dit soit par un traitement en amont, soit par un tunnel traversant le bord sud, la colline qui est à droite de la Médina, et de faire traverser la ville par une eau propre
ne pas salir le site de Moulay Idriss, fondateur de la ville. Fez and its industries are responsible for over 40% of the Cebu River's pollution between Fez and Kenitra, where the Cebu meets the Atlantic. The new water treatment plant in Fez is not only of local concern, but part of a national environmental policy. After being filtered for heavy metals at one of the world's few dechroming plants, water polluted by Fez's heavy industry, as well as by smaller informal industries in the old city, will head towards the treatment plant for an active bacteria treatment. High-tech project of national esteem, the new water treatment plant in Fez will use biogas resulting from this treatment to produce 50% of its own energy. However, this modern project merely treats the polluted waters downstream from the Medina. Pollution will continue to flow through the old city, threatening its built heritage and the well-being of its residents. In the central Medina, another project is underway. The bed of the river is to be cleaned and reinforced, and a pedestrian space is to be built on the riverbanks. A water wheel is also to be built on the Plaza de Sif. However, this project is subject to criticism for its orientation towards tourism and not towards the environment. Et maintenant, on est en train de travailler la deuxième partie sur un nouveau projet international, et on continue le même système. Bon, on va traiter ça autrement, mais enfin, c'est toujours l'ouette des eaux usées qui traversent le milieu de la ville, il n'y a rien de changé. هنا بعض الاساطير وبعض القصص وبعض الاعتقادات عند الناس تيقول لك يعني بالنسبه ما تكبش الماء سخون يعني في القادوس باش ما يضربوكش الجنون تسمى بلاصه يعني يعني بلاصه فين كيتواجد ماشي الناس اللي كيقولوا في التقاليد بان الجن كيكون موضوع في واحد البلاصه ديال الوداد كنظن ان ذاك الجن يعني تيكون في بحال دابا كان يتكلم اما قدام معوره اما قدام بير اما قدام فهمتيني العاده ديال الناس دابا قدام لا هو الولاد كيجيو كيحطوا ديك الكبسه L'eau dans l'esprit spirituel et même dans l'esprit scientifique est une unité qui est vivante. À partir du moment où elle n'est pas polluée, elle est vivante. Il se passe quelque chose. L'eau a une mémoire. C'est un élément qui transporte la baraka, c'est-à-dire c'est un élément qui peut transporter une énergie spirituelle intense. بعد شيوخ الطرق الصوفيه تيفسروا بالماء تيقول لك الماء واحد والزهر الوان الماء واحد والزهر الوان هكاك في الطرق الصوفيه وهكاك في العالم خلق الله الدنيا يعني كاين المسيحي كاين يهودي وكاين المسلم ولكن منين جات الماء الرجل وماء الرجل هو ادم وحواء يعني هذاك هو الاب هذاك الام وهذاك هو الماء الواحد Will we ever achieve the equality of access to water that our ancestors enjoyed? Will a city born from the presence of water collapse from our neglect of this life-giving resource? Whether hidden under the streets and passages of old Fez or in plain sight, water is omnipresent in the Medina, but cruelly absent for some.
continuing to neglect water in Fez threatens a thousand-year-old heritage and the livelihood of Fez's people. Nous vivons tous de l'eau. L'eau est notre patrimoine à tous, et nous devons tous avoir la même attitude à l'égard de l'eau. Un respect à l'égard de l'eau, une attention permanente, un soin permanent pour l'eau, qui est quand même une des sources de notre vie, de notre source de vie, l'eau. Donc il n'est pas de raison de la maltraiter où qu'on soit et quelle qu'elle soit. C'est une ville qui est devenue patrimoine mondial. Donc si vous voulez, elle appartient à tous les citoyens du monde et c'est à tous les citoyens du monde de la sauvegarder. Nous, on a la tâche de la sauvegarder parce qu'on est sur place, mais cela n'empêche pas que d'autres qui sont ailleurs donnent leur participation. On va commencer à regarder cette ville d'une autre manière. On va voir sa beauté, on va voir ce qui lui manque. Il faut arriver par une éducation populaire générale à rendre le respect à l'eau, la considération à l'eau et faire en sorte qu'on la protège, qu'on la préserve par tous les moyens. On pourra manquer de pétrole, mais on ne pourra pas manquer d'eau. Et tant qu'on n'a pas compris la valeur de l'eau, quand on n'a pas compris la valeur vraiment extraordinaire de l'eau, qui est la source de vie, comme c'est dit dans le Coran, eh bien, si on n'a pas compris ça, on continuera à aller vers la catastrophe.